Bismillah salam alaikum, comment allez-vous? Ça va? Donc aujourd'hui on fait la génoise Ferrero, donc c'est parti, elle est très simple. Donc voici les ingrédients, il n'y a rien de compliqué, c'est des choses que vous avez à la maison, donc voilà. Donc dans la première partie on va séparer les blancs des jaunes, et puis dans les jaunes on va mettre une cuillère à café d'arôme vanille. Ou un arôme de votre choix, j'ai mis arôme vanille, c'est le plus fréquent, donc voilà, on mélange un petit peu. Et puis on va battre les blancs, avant de ça, on va mettre une pincée de sel, et puis on va les faire mousser tranquillement, voilà. Dès que vous voyez que c'est blanc, et puis on va commencer à incorporer le sucre en 5 fois. Désolé pour les fautes d'orthographe. Et c'est le correcteur qui suit pas derrière, donc voilà. Alors voilà, donc on continue jusqu'à ce que les blancs soient vraiment neige, qu'ils soient bien fermes, ferme, ferme, ferme. Voilà, et puis après on va ajouter les œufs, les jaunes d'œufs, hein. Les jaunes d'œufs, bah oui, les jaunes, oui, forcément, ça vient de l'œuf. Donc voilà, on va bien 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 mélanger tranquillement. Voilà. Un petit coup par-ci par-là. Bien sûr, pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent, soyez les bienvenus. N'oubliez pas d'activer, d'abord de s'abonner, bien sûr, d'activer la cloche hein, pour recevoir mes nouvelles vidéos, de liker et de me dire ce que vous en pensez de cette recette. Donc, par ailleurs, je vais tamiser la farine ainsi que le cacao et la levure chimique, bien sûr. La poudre de noisette, il n'y a pas besoin de la tamiser parce que vous n'y arriverez pas. Donc, voilà. Poudre, voilà, vous l'utilisez comme ça. Donc, ensuite, on va mélanger le tout, et puis on va l'incorporer au blanc. Voilà, délicatement, en plusieurs fois aussi, pour éviter les bulles de farine. Il faut bien amener la spatule, qu'elle passe vraiment tout au fond, parce que des fois, quand c'est si pas bien mélangé, on retrouve la farine tout au fond, donc voilà, ce serait dommage. Donc soyez bien attentifs à cette étape-là, donc voilà. Et puis ne pas faire retomber les blancs, bien sûr, ce serait dommage. Mais si vous faites cette technique, ça va aller, et puis il n'y aura pas de problème. Donc voilà. Donc le four, de toute façon, je vous l'ai pas dit, mais bon, je veux dire, au milieu de la recette, on allume le four et puis ça chauffe. Comme ça, on sera prêt pour enfourner. Donc, je continue toujours à incorporer la farine. Voilà. Et on y va. Bien sûr, on peut déjà préparer tous les ingrédients à l'avance, c'est-à-dire le moule beurré et chemiser et bien sûr mélanger la farine, le cacao, la levure chimique tamisée, et puis vous mettez la poudre de noisette ensemble, comme ça ira plus vite et vous n'aurez pas besoin de à chaque fois de voilà. Donc moi j'ai fait comme ça, donc après voilà, j'ai fait comme ça et puis voilà. Donc là, je beurre le moule, je le chemise, et puis là, je verse mon mélange. Vous voyez comme il est le mélange. Hein. Donc, il est tip top. Et puis, voilà. On va l'enfourner pour 180 degrés, 25 à 20, à 30 minutes. On va vérifier au bout de 25 minutes pour voir la piquer et puis voir si c'est bon. Sinon, moi, ce que je fais toujours, c'est je fais 25 minutes et après le reste, je laisse 5 minutes au four et elle termine la cuisson. Donc, voilà. Et voilà le résultat de ma génoise Raffaello. Mais pourquoi je dis Raffaello? Ma génoise Ferrero. Et puis, elle est bien réussie, bien moelleuse et bien légère, bien sûr. Voilà, et elle est prête juste à être garnie, donc voilà.
Voilà, je vous le montre. Et puis, voilà, après, si vous voulez qu'elle soit un petit peu plus haute, utilisez un moule plus petit. Donc, après, c'est une question de moule, quoi. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwetzimladi. Partagez, likez.